Les gens se retrouvent pour une autre vidéo et c'est encore une vidéo de guitare. Excusez-moi si on entend l'aspirateur derrière, ma mère fait le ménage. On va apprendre la Montbrise sous les étoiles dans le Roi Lion de Disney, je pense que tout le monde connaît. Pour que ce soit plus facile, parce que là c'est à peu près au niveau 2, presque au niveau 3, parce que ça commence vraiment à être dur. J'ai mes tablatures par terre, voilà, que je vais vous montrer à chaque fois en fonction du texte. Voilà. La plupart du temps, tous ces accords-là, on les a appris dans les autres chansons. Donc voilà. Je vais vous le faire. J'espère que ma voix va pas dérailler parce qu'on a déjà essayé de tourner une fois et ma voix voulait plus en fait. C'est voilà. L'amour brille sous les étoiles, une étrange lumière, terre entière en parfait harmonie, vit un moment en royal. Voilà, donc c'est la première partie. Donc pour commencer, on va commencer l'amour brille sous les étoiles. Alors à l'amour, on va avoir la lettre, le G. Tu peux filmer, merci. Donc le G. Premier doigt, ce doigt-là, ici, voilà, l'autre ici et l'autre ici. Donc. Voilà, donc là ça fait l'amour brille. Donc celui-ci, celui que je viens de vous montrer, c'est le D. Donc voilà, le D. C'est bon. Donc ici, 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 un peu comme dans. Voilà, c'est carrément, c'est les deux mêmes accords du début. Pour l'amour brille sous les. Alors les, c'est le EM. Donc c'est que les deux doigts qu'on place. Hein. Voilà. Je vais vous montrer. Ici et ici. Hein. Voilà. Puis ensuite le C, un nouvel accord que je crois bien qu'on l'a pas fait. Peut-être dans sur ma route. Je ne sais plus. Donc c'est un accord assez compliqué, déjà à placer. Ouais, surtout à placer, ouais. Donc c'est ici, ici et ici, d'accord. Hop. Donc ça fait l'amour brille. Oh putain, voilà, c'est ma voix qui dérape. L'amour brille sous les étoiles. Donc moi je place plus mes doigts ici que là, voilà. Donc déjà d'une, c'est une faute pour placer la main, mais en même temps je trouve que le son ça change pas trop, hein. Voilà. Donc là on a fait l'amour brille sous les étoiles. Maintenant d'une étrange lumière. D'une étrange lumière. Donc là on recommence avec l'accord G, donc celui-ci. Hein, celui de Omenivode, enfin bref. Donc celui-ci. Puis ensuite on va enchaîner sur celui de tout à l'heure. Bon, tout à l'heure en même temps c'est normal. Donc celui-ci, donc qui est le C. Ok, moi je fais comme ça. Et on finira par le D, celui de Omenivode. Voilà, donc ça fait une étrange lumière. Voilà, donc je peux montrer en premier le G. Doucement quand tu déplaces. C. Le C. Oui, le C, oui. Voilà. Et le D. Très bien, tu peux remonter. Donc après il y a la terre entière. La terre entière, c'est donc ils nous disent de le faire comme ça. Mais moi en fait je fais l'inverse parce que je trouve ça plus joli. Ou alors carrément, si vous ne compliquez pas la vie, vous faites deux fois ça. Donc je vous dis, la version originale c'est ça. Non merde. La version originale c'est ça. Moi ce que je fais c'est ça. Et ce qui est conseillé pour les débutants c'est ça. Donc c'est C et G. D'accord. Donc pas besoin de montrer. Donc je répète, c'est C et G. Ou soit G et S. Et C. Oui. Voilà. Pour le prochain c'est en parfaite harmonie. Donc je refais. Alors.
entière. Et là, donc, le truc du débutant, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est EM et C. Voilà, montre EM. C'est le seul qu'on n'a pas. Je crois qu'on l'a déjà fait quand même. Donc voilà, ça commence par EM et C. Donc je l'ai juste ajouté. Coucou. Donc voilà. Après, donc pour finir donc le refrain de la deuxième, de la première partie, parce que la deuxième partie je le ferai après. Donc c'est un nouvel accord, le AM, vas-y montre. Donc voilà, c'est celui-ci, qu'on ne fait pas souvent. Donc montre. Donc c'est celui-ci. On finira par ça, ça, et c'est de là où vous êtes habitué. Mais celui-ci en fait, le truc qui est bien, c'est que vu que il commence, bon, je vais faire comme ça, vu qu'on finit comme ça, donc ça fait. En parfaite harmonie. Et ben on a juste à dépasser ses deux doigts. Un mouvement en royal. J'ai un peu raté mais c'est pas grave. Royal. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Je sais c'est un peu dur hein. Donc ouais, donc je le fais peut-être une dernière fois si ma voix veut bien. Alors soit tu peux approcher la rythmique, c'est ça les loups. Il a toujours pas compris. Là, voilà. Donc soit vous faites, ou soit bah vous faites comme vous voulez. Donc moi je fais, ou soit vous faites. Voilà. Donc ça je vais pas vous montrer. Hein. Vous faites la rythmique que vous voulez. Désolé, là il y a grave du bruit. Donc c'est pour ça qu'on va arrêter la vidéo. Donc voilà, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut !